Bonjour à tous, et je suis super content d'avoir fait cette vidéo. Enfin, alors, ma première chose que j'ai à dire avant de faire cette vidéo, c'est vraiment de vous dire un énorme merci d'avoir dépassé les 100 vues sur ma sur mon ancienne vidéo nommée comment lire des fichiers PDF, avis, je sais pas quoi. Je vous dis un énorme merci, mais je vais pas seulement vous dire merci, je vais vous montrer un tuto que beaucoup de gens sur internet, que beaucoup de gens demandent. Donc par exemple, ce tuto sera pour comment activer un mot de passe pour des applications, pour éviter que les petits curieux fouillent votre iPad, genre votre amoureuse vous dit je vais aux toilettes, après elle dit bon bref, bienvenue. Alors le truc c'est que vous avez, regardez par exemple on va faire sur Note, l'application Note, ça marche pas que pour les applications déjà installées sur iPad, par exemple on va faire pour Vimeo. Donc pour Vimeo, là vous voyez elle s'ouvre tranquillou, préparlou, tranquille, rien, ne vous demande rien, vous pouvez regarder des vidéos et tout. Donc pour qu'il y ait un mot de passe, vous allez sur Cydia, alors il faut avoir un iPad jailbreaké. Vous allez dans l'onglet recherche et vous allez marquer App Locker. Donc ce tuto fonctionne que pour iOS 7. Il faut le savoir. Non. App Locker, vous l'installez. Je vous conseille plutôt de l'installer sur la source XCNIS parce que XCNIS c'est la meilleure source où il n'y a pas de virus, de trucs, enfin de source défectueuse, de trucs défectueux et tout. Donc vous installez App Locker. Quand il est installé, vous allez redémarrer votre iPad. Donc moi je ne le refais pas parce que j'ai déjà l'application. Vous allez dans réglages. Vous allez dans votre ici là. Vous allez voir App Locker. Donc vous cliquez dessus et là vous faites activer. Alors pour verrouiller des applications ou on peut même verrouiller des dossiers, vous savez. Là on va faire ça. Donc par exemple moi je voulais verrouiller Vimeo. Ok, Vimeo, allez. Vimeo, elle est où? Mais ça marche pas que pour Vimeo, hein, ça marche pour toutes les applications. Voilà donc. Vimeo est là, donc vous l'activez. Ensuite vous activez un mot de passe, donc vous faites réinitialiser mot de passe, vous faites phrase secrète. Non, je crois qu'il faut faire attendez. Ouais, donc le mot de passe vous l'activez, donc moi ça va être, je sais pas, ça va être prout. Voilà. Donc quand c'est fait c'est bon, vous pouvez fermer votre application et vous allez sur Vimeo. Et voilà, il y a marqué Vimeo et verrouillé, entrez votre mot de passe. Donc moi je vais marquer prout. Excusez-moi pour l'exemple de mot de passe vraiment dégueulasse. Donc vous lancez et voilà. Vous êtes sur votre app. Donc voilà. Donc je recommence, je vous dis encore un énorme merci d'avoir dépassé les 100 vues sur une vidéo. Sur ma vidéo de comment lire des fichiers PDF et tout. Je vous dis un énorme merci. Je vous fais un gros bisou à tous ceux qui ont vu la vidéo et qui se sont abonnés à ma chaîne d'ailleurs. Donc j'espère que je vais faire des abonnés. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée.